Eh bien, salut tout le monde, bande de coquins, c'est Monsieur Petit Padawa. J'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat-revente. Donc ça fait un bail que j'en ai pas faite. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. C'est une nouvelle technique qui va se nommer la tech MOC-MC. Donc vous devez sûrement la connaître. Et vu que on fait beaucoup de bénéfices avec cette technique, j'ai décidé de vous en faire part en vidéo. Et franchement j'ai commencé cette technique hier après-midi. Et là franchement j'ai fait quand même pas mal de ventes en une matinée et tout. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du Payet, du Schneiderlin, du Matuidi, du Isco, du Eriksen, du Pereira. Donc je sais pas si vous pouvez remarquer, mais tous les joueurs que je vends là sont en poste de MC et tombent dans les packs en MOC. Donc c'est le but de cette technique, c'est de trouver les joueurs sur le marché qui ont déjà eu le changement de poste, donc MOC-MC. Et tout simplement vous allez les revendre 1000 crédits de plus. Donc c'est vraiment une superbe tech où on peut se faire énormément de bénéfices en très peu de temps. Parce que moi je pense que une pile, si vous remplissez votre pile à 100, je pense que vous arriveriez tranquillement à la vendre en 3 heures. En 3 relistages, je pense que vous arrivez à la vendre. Donc pour l'exemple de cette vidéo, j'ai choisi du Payet. Donc on va essayer de le choper le moins cher possible. Donc comme vous avez pu le voir à votre écran, nous avons effectué une vente. Donc c'est sur le Oscar. Donc vous voyez que cette technique marche très très bien. Donc on va aller racheter Payet les gars. Le Payet. Donc on va essayer de le trouver directement avec un changement de poste et avec un style. Ça serait plutôt pas mal. Donc on va le trouver pour 2200 crédits. Lui il est pas intéressant. Il a pas de style. Et puis même il était en MOC, je suis bête. Donc on va monter jusqu'à 2400, 2500, 2600. Et voilà, encore une autre vente le gars. Donc lui il est pas mal, architecte. On va lui rajouter des contrats, on va le mettre dans l'équipe concept. Donc moi ce que je vous conseille pour cette technique, c'est de faire une équipe concept où vous faites que de l'achat-revente en fait. Moi c'est pas le cas, parce que je ne sais pas pourquoi c'est cette équipe qui est active. Mais d'habitude j'ai une équipe conceptée spécialement pour l'achat-revente. Donc on va lui rajouter 40 contrats et avec 99 de forme pour qu'il soit assez propre et qu'il se vende très rapidement. Il faut au moins 40 contrats pour faire la technique. Et tout simplement on va pas s'embêter, on va le mettre 1000 crédits de plus les gars. Donc c'est vraiment une technique assez simple. Voilà, assez simple. Donc on va le mettre à 3006. Voilà, vous faites ça, mais vous allez vous faire des bénéfices énormes. Ensuite, donc on vient de vendre Pereira à l'instant, donc on va aller racheter Pereira. Pereira qui est très très bon, qui est très très bon dans le jeu et qui est très très utilisé pour les séries A. C'est pour cela que qui se vend très très bien au poste d'MC, pardon. Donc Pereira, il est pas très cher, il coûte. Ah ouais, quand même, il a augmenté Pereira, 1600 crédits. Donc quand vous voyez catalyseur, chasseur, des trucs comme ça, vous prenez tout de suite. Parce que catalyseur, vous pouvez le mettre même 1500 de plus, voire 2000 crédits de plus. Moi je ne le fais jamais parce que j'aime bien vendre mes cartes très rapidement. Je sais pas pourquoi, mais je préfère. Et on va racheter également Oscar qu'on a vendu lors de la vidéo que vous avez pu voir aussi. Donc 1700, moteur parfait, 15 contrats, 99 de forme. On va juste le mettre un peu plus beau tout simplement en lui rajoutant des contrats. Pareil pour Pereira. Donc je répète, il faut absolument plus de 40 contrats. Après vous, si vous mettez moins de contrats, c'est possible, mais ça va être compliqué. Le mieux c'est que vous achetiez la carte et vous ayez des contrats hors rares. Moi c'est pas le cas, j'en ai plus de contrats hors rares. Mais si vous avez des contrats hors rares, vous en rajoutez un seul et vous le revendez 1000 crédits, voire 1500 crédits de plus. Si ça, ça dépend du style, tout simplement. Donc ces joueurs là, on va les revendre comme tout à l'heure, 1000 crédits de plus. Donc acheter 1700 Oscar, on va le revendre 2700. Pereira, acheter 1600 je crois, on va le revendre à 2600. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre les gars, cette vidéo.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, ça ferait super plaisir. Et à vous abonner. N'hésitez pas également à aller voir ma chaîne de foot IRL dans la description. Tchuss.